Monde, c'est Diablo X9, on se retrouve aujourd'hui, je suis en compagnie de Cruxy, salut Cruxy. Salut. Avec Husky. Salut. Et avec Sunsun. Salut. On est sur Assassin's Creed Brotherhood, en chasse à l'homme, c'est ça? Ouais. Et en clair, en quoi ça consiste, Husky? Ouf, bah en fait on est un groupe, là on est les... je sais plus comment il s'appelle. Comment il s'appelle ce mec déjà? C'est le rôdeur. Le rôdeur, voilà. Voilà, et on doit furtivement tuer nos ennemis, là, en l'occurrence, c'est les arlequins. Et donc, en fait, il y a une manche attaque dans laquelle il va falloir empêcher les ennemis de se faire un maximum de points. Les ennemis, eux, ils se font un max de points en se camouflant. Plus longtemps ils se camouflent, plus ils se font de points. Donc, bah, le but, c'est de leur foncer dessus et d'en tuer un maximum et le plus rapidement possible, tout en évitant bah, de se faire humilier, comme Sun Tzu fait souvent. Souvent. Je suis un pro du niveau. Et en plus, il y a des niveaux 50 contre nous. Ouais, il y a des niveaux 50 en face. Ouais. Ouais, on va se faire. Je crois que vous vous rendez pas compte, les gens là, mais on va se faire défoncer. Bref, et on vous expliquera la manche suivante après. C'est parti! On va avoir des visions de l'aigle cul. Voilà, comme vous pouvez le voir, 6230 à 4400. Alors que nous étions en attaque, ça part plutôt pas mal. En général. Lorsqu'on fait une manche d'attaque normale, ceux qui doivent se protéger font carrément le double de points, voire plus que nous. Là, on est à 2000 points 2, on se dit il y a de quoi faire, je choisis ma classe qui me permet d'être tout de même un petit peu plus furtif. Hein. J'utilise donc camouflage, le truc dont je vous ai parlé, qui vous permet métamorphose, voilà c'est ça que je voulais dire, qui vous permet de métamorphoser les gens qui vous en...